sous le barrage. Et quand on venait, on a vu la scène. C'est les mecs quand même qui a crié Jésus. Et je leur ai demandé, il y a quoi? Elles m'ont dit, il y a la moto là qui est tombée sur le chauffeur. Par la main simplement. Dis Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner pour tout ce que j'ai fait et qui n'était pas à ta gloire. Oh, je sais, toute ma vie, je ne t'ai pas cherché. Hier, si ce n'était pas ta grâce, peut-être que je serais mort. Mais par ta grâce, je suis vivant. Ce matin, je t'accepte comme mon Dieu, mon sauveur, mon protecteur, mon guide, mon conseiller. Aujourd'hui, je renonce à mon péché, à la colère, à l'arrogance, aux enjeux, à l'impulsivité. Et j'accepte de marcher selon toi. Seigneur, je veux te dire merci, car tu m'as épargné de la mort. Mais j'ai mal aux pieds. Et je sais que par ta grâce, si je te crie à toi, si je crie à toi, tu me visiteras et tu me guériras. Éternel mon Dieu, me voit. Je prie maintenant, sur la base de ta parole, selon Marc 16, verset 17 qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui rentrent. En mon nom, ils chasseront les démons. S'ils boivent quelques breuvages empoisonnés, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi que le Dieu des miracles et des prodiges, amen. Lorsque j'aurai retiré mes mains, Seigneur, je prie que le mal qui vient du monde des ténèbres pour le frapper de paralysie disparaisse. Nom de Jésus. Que les flèches soient retirées. Nom que l'empoisonnement soit retiré. Nom qu'il retrouve la motricité de sa chérie. Nom de Jésus. Et qu'il marche comme initialement. Nom de Jésus. Seigneur, il est écrit dans ta parole, selon Actes 2, verset 21. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Au nom de Jésus. Sauve-le. Sauve-le. Et retire le mal de lui. Retire. Sauve-le. Sauve-le. Et retire le mal de lui. Retire-le. Sauve-le. Sauve-le. Et retire le mal de lui. Retire-le. Afin que tous ces lycéens et lui-même témoignent de ta puissance. Au nom de ta toute-puissante divinité. Au nom de Jésus. Et de ton salut. Nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Pape, c'est fini. Mais dis, tape fort. Tout le monde va voir que Jésus est Dieu. Tape fort. Saute, saute. Tout le monde verra que Jésus est Dieu. Oh! Alléluia. Des serviteurs de Dieu, un chanteur, un instrumentiste. Donne son numéro de téléphone. Il va venir taper le tam-tam, jouer à la guitare, jouer à la batterie, glorifier le nom de Jésus. Et les mecs, c'est pas au bas, ça se passe des commentaires. C'est Jésus. C'est ça, Jésus. Quand on vous dit Jésus là, c'est pas le Jésus depuis Saint-Franc, quand tu es marié, tu as voyagé. C'est le Jésus de la repentance, de la sanctification, du salut, de la vérité, amen. De la justice, de la sanctification de l'esprit, du corps et de l'âme. Amen. Et les mecs, c'est l'occasion pour toi de t'attacher à Jésus. Regarde, il avait plein de bagues attachées au marabout à ses doigts. Parce que pour lui, le salut, la guérison, la protection, la richesse, c'est les marabouts qui me donnaient. Mais devant l'accident qu'il a vécu hier, et nous-mêmes, nous avons été témoins. Le marabout et ses guerriers n'ont pas pu le sauver. Mais là, ce matin, le Seigneur permet que nous le rencontrons. Malgré que le fils était tombé à ses pieds, c'est sûrement qu'il a eu une fracture, une luxation, je ne sais pas. Mais là, le Seigneur Jésus l'a guéri. Amen. Toi aussi, qui es malade, qui compte aller chez un marabout, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie toi, à Jésus. Toi qui compte aller chez un féticheur, donne ta vie à Jésus. Vous qui voulez réussir dans vos études, donnez vos vies à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Regarde le dernier jour ce que le Seigneur est en train de faire. Les enfants sont enfants du Seigneur.